Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo aujourd'hui. Putain, je suis grave content. Je suis grave content. Les gars, ça fait 5-6 mois déjà que Yuki, s'ennuie. Il s'ennuie à la maison. Moi, je travaille beaucoup. Je suis un mec qui charbonne beaucoup les streams, les lives, les vidéos, tout ça, etc. Et du coup, j'avoue que des fois, il y a Yuki qui s'ennuie dans le jardin. Elle est toute seule. Elle regarde les oiseaux, tout ça, etc. Et moi, ça me rend mal, tu vois. Donc, du coup, ça fait un moment que je réfléchissais. Yuki, c'est un chien de meute. C'est un husky. Et il faut pas élever, enfin, il faut pas faire grandir un husky tout seul dans un grand jardin. Et après, je l'ai pas pris que pour ça, le nouveau chien. Je l'ai aussi pris parce que j'ai toujours voulu cette race aussi. J'aime les huskies, mais j'aime aussi les staffs. Et voilà, on y est, mesdames et messieurs. J'ai pris mon courage à deux mains. Je me suis dit, c'est bon moment. Allez, c'est l'été, on va s'amuser dans le jardin avec un nouveau chien. Il vient d'arriver. Je n'ai toujours pas de prénom. Proposez-moi des prénoms. Sur mon Instagram, j'ai posté une photo. Allez-y, likez la photo et proposez-moi des prénoms en commentaire. Comment ça va le petit King? Un petit bébé. Là, on dirait pas comme ça dans la vidéo, mais il est grave petit. Hein. Je sais pas si ça se voit ici, mais en tout cas, il est grave petit. Mon bisou. Toi, il fait un bisou. Il est trop gentil. Bon, du coup, première étape, les gars, on va aller dans le jardin. On va aller dans le jardin et deuxième étape, rencontrer Yuki. J'espère que Yuki ne va pas être trop agressive avec lui. Parce qu'en fait, elle voudrait marquer son territoire, je pense, dès le début. J'espère que ça va bien se passer. Hein. Ça va bien se passer. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux sortir de la voiture? Ça fait une heure de route pour aller dans la voiture. J'avoue, je pense qu'il veut pisser. Alors là, mesdames et messieurs, on est directement dans le jardin de Yuki, dans son territoire à elle. Je vais te laisser sentir. Tu vas sentir un peu son territoire. Tu vas voir qu'il y a un chien qui vit ici. Ok? Fais pas le timide. Donc là, vraiment, il faut qu'il s'habitue déjà tout seul. Sans Yuki, qui découvre un peu le synthétique, puisque je pense qu'il connaît pas le synthétique. Là, en fait, il a peur de rester tout seul, c'est pour ça qu'il me suit. Oh, il fait pipi. Le premier pipi de mon petit bébé. T'as peur? Regardez, je me casse, il va me suivre partout tellement qu'il a peur. Déjà, crois-moi, là. Alors, dans ma vie, les gars, j'ai connu deux chiens. Donc maintenant, je sais comment éduquer un chien. Je pense que lui... Je vais en profiter sur le fait que là, il me suit partout. Tu vois, il me suit partout, il a peur d'être seul, je suis son repère. Donc du coup, on va beaucoup faire de balades, beaucoup de balades, beaucoup de rappels. Il va rester au pied, il va grave m'obéir, tout ça, etc. Ça va commencer dès maintenant, si vous avez un chien. Voilà, directement, l'éducation, c'est dès le début, en fait. Tu vas être heureux, tu le sais, ça, ou pas? Tu vas être trop bien ici. Tu vas être trop bien, regarde tout l'espace que tu as pour t'amuser. Il y a la forêt à côté, les gars, les chiens, ils vont s'amuser de ouf. Je suis trop content. Mais qu'est-ce que je suis pas ta meuf, gros. Je suis pas ta meuf. Bon, les gars, c'est bon. Là, c'était la présentation de mon chien. Il a découvert un peu l'environnement. N'hésitez pas à proposer des noms de chiens sur mon compte Instagram en commentaire ou sinon ici en commentaire, mais je regarderai plus sur Instagram. Sinon, les gars, on se retrouve demain. Demain à 18h pour la vidéo rencontre avec Yuki. C'est parti. Comme Giroud, j'ai raté les cages. Comme Mathieu Valbuena, t'es pas de taille. T'es en retard comme le RERT. Ta copine grille comme Cobaladé. Ok, chic.